Salut les amis, petite vidéo rapide. Je ferme la fenêtre, je suis dans la vieille voiture. J'en ai trois. Cabriolet, une berline et la petite 206 pour travailler. Voilà. Bah, je suis en pause, j'en profite. J'étais chercher mon colis tout à l'heure. Petit colis à 10 euros sur un site d'achat en ligne. On commence par. Je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Un petit. Encore qui rentre dans ma collection de Mario Bros, oui. C'est mon 14, mon 15e comme ça. Et oui, comme je vous l'ai dit, je vais la faire à la Polo Débile, mais je vais faire tous les Mario sur Wii. J'ai du mal à rentrer des Mario Party 9. J'en ai quelques-uns 8, mais le plus que je rentre, c'est celui-là et Mario Kart. D'ailleurs, j'en ai encore un là. J'ai beaucoup. Je vous ferai une vidéo sur tous les Mario que j'ai. Celui-là, je crois que c'est mon 14, 15 ou 16e, je sais plus. Faudrait que je recompte. Voilà. Mais malheureusement, il n'a pas la notice. Donc celui-là, je ne vais pas le garder. Il va repartir en vente. Et oui, je rentre comme tout le monde. Et le chien, là, c'est mon molosse de 4 mois, là, qui devient. Dès qu'il voit un chien, il devient fou. Donc celui-là, bah, je vais le vendre 5 euros. Je suis raisonnable dans mes prix, il n'a pas la notice. Donc voilà. Ou peut-être le donner, elle partira à l'échange. Voilà. Je suis un peu dégoûté sur celui-là. La dame m'avait dit qu'ils étaient complets. J'ai fait confiance, mais bon. Je vais garder les deux meilleurs pour la fin. Après, bien sûr, je rentre un traditionnel. Pareil, ça doit être mon 14 ou 15e Mario Kart complet. Avec la notice, les fascicules, les pubs. Parce que les CD sont en tas irréprochables. Oh, celui-là, il est rayé. Celui-là, il est mort rayé. De toute façon, les... Ah, j'ai une course. Bah, elle attendra 2 minutes. Elle attendra 2 minutes, voilà. Donc, puis je rentre un petit Mario Paper complet. Ah, celui-là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3. Celui-là aussi commence à prendre une cote formidable grâce à Mario Paper GameCube. Il commence à être convoité, ceux-là. Je vous dis, je les ai eu à 2 euros pièce, les. Mais j'ai pas négocié. Hein. J'ai eu un Mario Kart là. J'ai eu un Smash Bros. Celui-là aussi, je crois que je l'ai 5-6 fois. Je l'ai pas beaucoup. Complet. Et. Le plus beau pour la fin, là celui-là, je l'ai pas, je l'ai 4 fois, 2 fois sans notice, un Pokémon Park 2. Ah, celui-là, une belle cote. Voilà, voilà. Donc, j'ai eu ces 5 jeux Wii pour la modique somme de 10 euros, plus les frais Vintel, 14 et quelques. Donc, c'est un excellent prix, prix vide grenier. Voilà, les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous attends au vide-grenier du Geek, qui se tiendra dimanche à Charbonnières, à côté de Lyon. Il y a les addicts du vide-grenier qui viennent, qui m'ont contacté. Il y a quelques personnalités que je connais qui viennent, quoi. Pas personnalités, youtubeurs. Voilà, voilà. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée et à dimanche pour certains. Ciao, 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 ciao.